qu'on veut, c'est qu'à l'école d'accueil, peu importe l'élève, il va être dans quelle classe, on va savoir que telle stratégie va être travaillée. Peu importe la manière que ça va être travaillé, l'enseignant va le mettre à sa sauce. Parce que ça, c'est gagnant au niveau des élèves qui sentent que d'une année à l'autre, ça suit puis que les gens se parlent. Donc, ils ne repèrent pas à zéro à chaque début d'année. Ils continuent leur apprentissage scolaire. Donc, ça, c'est important pour nous, là. L'exercice qu'on nous demande de faire ce matin, c'est de définir par mots-clés ce qu'est une stratégie. Qu'est-ce que ça pourrait être une stratégie, là? Quel mot qui vous vient en tête? Outils. Outils. Moi, je pense qu'on bâtit le coffre à outils de nos élèves. Moi, j'aurais dit c'est une clé de réussite. Une stratégie, moi, j'y allais avec la définition en plus. Pour moi, c'est une clé de réussite. Ça peut être aussi des trucs ou des astuces personnelles. Là. Des fois, à partir de stratégies générales qui ont été données, l'élève se développe lui-même des trucs personnels. On va essayer de choisir, mettons, 5 mots parmi ceux-là qu'on pense qui pourraient, dans le fond, être intéressants pour définir ce qu'est une stratégie. On n'est pas dans les stratégies, mais bien dans la définition d'une stratégie. C'est quoi une stratégie? On y va avec la planification. Voulez-vous qu'on regarde ce qu'il y a dans le programme? Moi, je pense que tes 3 premières stratégies au programme visent l'intention. Préciser son intention. Aujourd'hui, les copains, on va être des juges, donc on va donner notre opinion. Je pense que c'est, il faut leur montrer, puis en sachant que ça va être vu là, d'année en année. Ben, tu sais, justement, dans se rappeler les expériences d'écriture déjà vécues, là, on vient d'avoir une belle discussion sur l'importance d'avoir des textes modèles. Fait que moi, je pense que de susciter les connaissances antérieures, d'aller voir ce qui se fait dans les livres, dans la littératie ou dans le texte modèle, je pense que c'est important. Dresser une carte, un croquis, un schéma, un plan sommaire ou toute autre forme de support. Qu'est-ce qu'on veut leur montrer comme stratégie au deuxième et troisième cycle? J'aime moins dresser quelque chose. Organiser. Ouais, moi aussi, là. Moi aussi, j'aime mieux organiser. Organisation des idées. Organiser ses idées. À l'aide de divers outils. Ouais. Là, les outils, ça pourrait être schéma, carte, partenaire d'écriture. Mm-hmm. Ça, on pourrait les définir. Le dessin, moi, quand avec ils dessinent ce qu'ils ont à très faire bon avant, c'est ouais. Quand après ça, quand vient le temps d'écrire, c'est beaucoup c'est plus facile pour parce eux. Qu'ils servent, ouais, c'est ça. Ils peuvent pas changer d'idée non plus, parce que moi, des fois, j'en ai qui vont changer d'idée là, rapidement. Fait que là, dans le fond, le dessin, il est fait, mais faut que tu continues ce que... Tu ouais. avais déjà ton idée, elle est ça là. Ça les aide peut-être à structurer leur pensée, oui. justement. Oui. Quand il écrit l'enfant, quelle stratégie on peut leur montrer pendant qu'ils sont en train d'écrire? On peut leur montrer à revenir à la planification. Retourner aux données du projet d'écriture. Retourner aux idées du projet, j'aime ça. Ici, il disait garder à l'esprit son intention d'écriture, son public et le genre de texte choisi. En plein cycle. Ça revient à... Je l'ai planifié, mais est-ce que je l'ai oublié? Oui. C'est vrai que je trouve ça important, moi aussi. Les chercheurs ont largement fait ressortir l'importance des interactions entre les élèves dans les activités d'écriture. Les apprentissages des élèves sont favorisés par la réflexion et la confrontation avec les pairs. Lire oralement son texte à une ou plusieurs personnes ou leur demander de le lire afin d'obtenir des suggestions d'amélioration. Mais... Tu vois, en classe, là, je serais portée à dire « Allez avec votre auteur partenaire, votre partenaire d'écriture, puis... Faites-lui lire ou lisez-lui le texte. » Il faut leur montrer quelles suggestions je peux faire à mon partenaire quand... C'est ça qu'on veut leur montrer. OK. Ah, tu dire... Mais comment je peux questionner l'autre pour enrichir mon... Tu sais, comment l'autre peut me questionner pour que je puisse enrichir mon texte?